de transport en commun, 3 ou 4 ans pour construire des parkings en surface qui n'ont jamais été construits, malgré les taxes qui ont été payées pendant des années. Merci. Telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui à Bordeaux, politique de stationnement qui pénalise les familles, les particuliers, les travailleurs, les salariés, les artisans. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour demander une remise à plat totale de la politique de stationnement aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée et qui s'assimile à un véritable racket par rapport aux Bordelais. La politique de stationnement payant qui a commencé par la Bastide, puis qui s'était étendue quartier après quartier, la Bastide où aujourd'hui les étudiants sont pénalisés et doivent débourser des sommes qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Grâce à votre mobilisation, la mairie aujourd'hui a fait quelques reculades et a notamment décidé de ne pas accroître le stationnement payant au-delà des boulevards dans les quartiers Saint-Augustin et Codéran. C'est grâce à votre mobilisation et nous vous en remercions. L'Union fait la force et l'Oignon fait la soupe. Bonjour, vous allez bien ? Je remercie tous les membres des comités qui sont réunis, la barrière de Toulouse, Saint-Augustin, tous les comités qui sont là, et chacun va s'exprimer à tour de rôle pour exprimer ses revendications. Alors.